par Katie Martel. Et nous découvrons là celui qui est passé juste avant que nous prenions l'antenne, Eric Casimir, au cheval d'Arçon. C'est le dernier que nous vous montrons à cet agrès. Et pourtant, c'est lui qui a gagné. Hier, il est passé un petit peu à côté en qualif, mais à la finale... Regardez. Oui, il s'est bien rattrapé et on le retrouve dans son style si particulier, gymnaste très très longiligne. Attention ici, petit cassé du corps, mais sa grande maîtrise de l'agrès lui a permis d'enchaîner très correctement. Les ciseaux obligatoires plus le demi-tour. Relance sur le cercle. Et on s'achemine vers la sortie jusqu'à l'équilibre. Voilà, exercice sans faute. Voilà. Ce qui lui permet d'assurer tranquillement une nouvelle fois le titre de champion de France de la spécialité. Champion de France avec 9-6 devant Pierre-Yves Béni, un jeune qui monte. Excellent gymnaste. Et Gaëtan Dupont. De quoi ravir Sandrine Livet. Et oui, à la fédération qui fait partie du fan club d'Eric Casimir. Il faudra également s'habituer effectivement, comme vous disiez Patrick, à ces nouveaux noms comme Pierre-Yves Béni, comme Gaëtan Dupont, qui font partie de la nouvelle génération et qui se préparent.